au sang. Pardon. Au sang. Portez. Présentez. Armée. Léon. Au chien. Peu importe le temps que je traverse, peu importe le moment. Salon, vous qui nous suivez de par le monde, nous sommes ici au niveau de Mama Yemo. En fait, c'est juste pour la sortie du corps de notre regretté, Mama Coco, Mama Bio, Mama Colonel. La maman qui a marqué la communauté tout entière, la grande famille des A4. C'est cette maman-là qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'en finir avec elle, la retourner à sa première demeure. C'est pourquoi, comme vous pouvez le constater, nous sommes ici des serviteurs de Dieu, nous sommes debout. Nous avons de part et d'autre, il y a la police, les membres du corps, là où elle a presté sous le drapeau pendant autant d'années. D'abord en tant que policière et aussi servante de l'Éternel. Où elle y a presté, où elle y a donné le meilleur d'elle-même, justement, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Mama Coco, c'est vrai, elle nous manque. Nous prions le Seigneur pour que le Seigneur nous dote encore d'autres servantes de cette rampe-là pour la bonne marche et l'évolution de l'Église. De part et d'autre, de gauche à droite, nous avons le serviteur Papa Marc qui est là.
Il est avec nous, justement pour la circonstance. Nous avons le serviteur de Dieu, l'épiscope Bertin, ainsi que le pasteur Salvador. C'est le corps, c'est le comité des A4. Les A4, peut-être que vous pouvez vous demander c'est quoi. En fait, le A4 n'est autre qu'un rassemblement des serviteurs, un rassemblement des aigles, un rassemblement des visionnaires qui se sont retrouvés dans la lignée de l'apôtre Haïdi Nabal Alexandre. C'est un regroupement des serviteurs. Nous sommes là, nous discutons, nous réfléchissons sur la cause de l'Église et pour l'Église du lendemain. C'est ça les A4. Et donc, c'est une postérité de l'apôtre Haïdi Nabal Alexandre. Nous sommes là, justement, pour la cause de l'Évangile. Pendant que je suis en train de vous faire, de voir les gens qui sont en train de venir, les uns après les autres, ce sont les membres, les bien-aimés, les serviteurs, servantes, qui ont eu, justement, à passer leur temps, la plupart de leur temps, avec notre regretté Mama Coco. C'est les noyaux durs de l'organisation des A4. Nous sommes en train de vous présenter les noyaux durs de l'organisation A4, qui aujourd'hui, si on en est arrivé là où on en est, c'est parce qu'il y a eu des gens qui se sont mobilisés depuis l'extérieur et aussi à Kinshasa. C'est pour cette raison que nous nous retrouvons ici, justement, pour accompagner notre maman à sa dernière demeure. Merci beaucoup. De minute en minute, nous allons vous donner la situation au fur de temps, comme cela a été prévu. Maintenant, là, nous attendons la sortie du corps qui serait en train de sortir d'un moment à l'autre. Et pendant ce temps, nous allons encore revenir pour avec quelques commentaires, justement, micro balader aux serviteurs de Dieu qui donneront aussi leur point de vue en rapport avec cet événement qui vient de marquer encore une fois les A4 en ce jour. Merci et à très vite. Merci beaucoup. De vous. Ata usiku ata mchana Yesu wangu wa siku zote Ata ningekuwa na babangu Ata ningekuwa na mamangu Ata nichunga sawa na Yesu Yesu wangu wa siku zote Ata ningekuwa na mke wangu Ata ningekuwa na mume wangu Ata nichunga sawa na Yesu Yesu wangu wa siku zote Oh ya ya Car je sais, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier et agira à mon problème. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme se souvient, il est abattu au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Jésus-Christ, je t'aime. Je t'aime.
je t'aime. Tozoi manze mon mukebi sonyo sope to bondeli. Parce que wa kufi oyo aza mosali na Nzambe. Bien kaza mapinga mais aza mosali na Nzambe. To bondeli biso to yimi nzembo ya prêtre o leki na étape prochaine. Je suis un peu plus katika jina la Yesu Kristo tunakaribia tena mbele ya uso wako kutoa shukrani. Asante kwa kutufikisha siku ya leo tarehe 13 Avril 2021, siku ya kuagana na hati marehemu Colonel Koko Sibazuri, ya kusindikiza mwili katika nyumba yake ya mwisho, siku ya kutembea yake katika dunia ndani ya mkono wako Mwenyezi Mungu. Acha Roho Mtakatifu ashuke mahali hapa kufariji moyo wa kila mmoja wetu. Roho Mtakatifu achukue uongozi ya maombolezo hii tangu mwanzo mpaka mwisho. Tunaomba. Merci tobete le corps maboko tofandi. Merci balinga mika na kolo to kanisi ke tangu na kisoza li mke mingi. Tozali ko kima sima ya ngonga parce que 10h il faut to longwa awa. To eba ko kendo kunda mama na biso parce que na 10h manifestation mso ezali awa awa ezali kabu ya ngonga. Na ngo tozole ki sata ngote. Tozana mote na biso oya ko zwa maloba pona ko lenisa biso parce que Bible lobi na tango na kufa esengeli to réfléchir. Samson Ilunga, yem ta lote abiso to yambi to beteli Yesu maboko tango to tele. Betela kolo maboko tango sala ngamba to tele. Amen. Amen. Je sais qu'il n'est pas toujours facile de prendre la parole à une circonstance pareille. Na yebi ete ezala kapetete pona kozwa maloba na tango ya boye. Surtout que nous sommes en train de pleurer notre sœur, celle qui était très proche de nous. Dans les Saintes Écritures, tu es poussière, dans la poussière tu retourneras. Lokola ete ekomami na maloba mosantu ozali putu. Consigné dans les Saintes Écritures. Na lingiete na ngonga oyo toyeba kokabola makanisi na Nzambe oyo ekomami katikati na buku mosantu. Et cela pendant ces quelques minutes qui nous sont imparties. Natina ete na ngonga muke oyo pesameli biso. Je vais faire la lecture dans le livre des Psaumes au 90e chapitre, verset 12. Tokotanga na mokanda ya Psaume 90. Verset 12. Verset 12. Je fais la lecture au nom précieux de mon Rédempteur Jésus-Christ. Moteya kotanga na kombo na Yesu. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse.
La kisa biso ete toye bako tanga mikolo na biso na se natina ete toye bako zwa mayele. En réalité, cette parole, c'est une prière qu'un homme de Dieu, un puissant homme de Dieu de la Bible, a adressée à l'Éternel Yahweh. Solo baloba oyo ezali libondeli ya mutuna nzambe oyo azalaki koloba liboso na nkolo. Une parole, une prière que le prophète Moïse a adressée à Dieu. Oyo ezali libondeli mosakoli monse ayebaki koloba liboso na nkolo. Moïse qui n'était pas n'importe qui en Israël. Monse azalaki moto pamba te katikati na Israël. Il est l'un des puissants prophètes que Dieu a utilisé dans la Bible. Azali moko na basakoli makasi o nzambe ayebaki kosala. L'homme qui a libéré le peuple d'Israël de l'oppression égyptienne. Mutu oyo ayebaki kobimisa bana na Israël kati na bokangami na Égypte. Il a vécu 120 ans. Ayebaki kosala pomo inaye 120 ans. Donc 40 ans en Égypte. 40 ans na mboka na Égypte. Dans le palais royal. Katikati na mboka na mokonzi. Il a appris la sagesse égyptienne. Ayebaki kozwa kuna mayele na Égypte. Il a vécu dans la maison du roi. Pe afandaki na ndako na mokonzi. Respecté par tous les Égyptiens. Ayebaki kopesa ye limema katikati na. Après cela, il va vivre 40 ans dans le désert de Madian. Na simana yango akai kofanda lisusu 40 ans katikati na terre. Et c'était après sa fuite. Ezalaki na kokima na ye. Et après, il va faire le dernier 40 ans de ministère. Pe suka C'est un homme qui parlait face à face avec Dieu. Et l'Écriture nous dit qu'il voyait même une représentation de Dieu. C'est l'homme qui a fendu la mer Rouge. L'homme qui a fait sortir l'eau du rocher. L'homme qui a fait tomber la manne du ciel. Malgré tous ces miracles, malgré tous ces exploits, malgré sa longévité sur la terre, il se permet de dire à Dieu, oh Dieu, enseigne-nous à compter nos jours. C'est vrai, j'ai appris à l'école comment on compte. Je sais compter les chiffres, oh Dieu. Je sais compter l'argent, oh Dieu. Je sais compter les nombres d'objets, oh Dieu. Mais il y a quelque chose qui m'échappe. Il y a quelque chose que je ne maîtrise pas. Il y a quelque chose que je te demande qui est pour moi une requête majeure. Enseigne-moi une chose. Au-delà de la comptabilité que je connais, enseigne-moi à compter mes jours. La comptabilité du temps n'est pas chose facile, n'est pas chose aisée. Savoir compter ces jours, qu'est-ce que cela signifie? C'est savoir faire un bon usage de son temps. Le temps que Dieu nous a imparti sur la terre est entre nos mains. Alors chaque homme, chaque personne rendra compte de la manière dont il aura géré ses jours sur la terre. Aujourd'hui, nous plairons cette grande dame qui nous a laissé beaucoup de souvenirs. Moi, personnellement, je crois deux semaines avant sa mort. Elle m'a envoyé un parfum. Le témoin est là, celui qui m'a amené même le parfum. Je lui pose la question, maman, c'est combien? Elle me dit, non, papa, ça c'est un cadeau pour toi. Ce qui m'a encore surpris, c'est quoi? Elle m'envoie deux parfums. Un pour moi, un pour madame. Je lui dis, mais pour ce deuxième parfum, c'est combien? Non, papa, c'est un cadeau. J'étais un peu surpris parce que je connais le prix de ces parfums-là. Je dis, maman, que Dieu te bénisse. Alors, ce sont les actes qu'elle était en train de poser avant sa mort. Les œuvres qui doivent parler
aujourd'hui en sa faveur. La nouvelle de sa mort m'a trouvé alors que j'étais en mission à Lubumbashi. C'était vers le soir que je l'ai appris. Ils ont battu, très dérangé. Et malheureusement, j'étais seul dans ma chambre d'hôtel. Je n'avais personne avec qui échanger. La chose m'a rongé sérieusement. Le lendemain, dimanche matin, je suis allé prêcher. Le dimanche. Et j'ai constaté que je n'ai pas prêché comme je prêche comme d'habitude. Je me forçais de parler, mais je sentais que j'avais un fardeau sur mon cœur. J'ai dit, Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, fais-moi grâce. J'essaie de lire dans notre groupe plateforme de A4 sur WhatsApp. Je vis comment les gens pleuraient, comment les gens se lamentaient. J'ai dit, Seigneur, soutiens-nous. Alors, parce que nous sommes arrivés à ce moment, que la mort de notre maman nous enseigne. Que la mort de cette grande dame nous enseigne. Sa mort n'est pas une mise en scène. Mais c'est une réalité. Ça nous a trouvé dans la plateforme pendant que nous parlions sur l'eschatologie. Sur les événements du temps de la fin. Trompette ne sonne avant que l'enlèvement soit effectif. Chacun de nous est appelé à mourir. Tous. L'enlèvement ne nous trouvera pas vivants. Certains seront vivants. Certains, la fin de leur vie sera déjà la mort. Pharaon lui pose la question. Quel est le nombre des jours, des années de ta vie? Jacob dit, le nombre des jours, des années de ma vie sont de 130 ans. Mais ils sont mauvais. Attention que nos jours ne soient pas mauvais devant Dieu et devant les hommes. Vivons pour Dieu et vivons pour les autres. Et cela est très important. Ces deux orientations de la vie, orientation verticale vers Dieu, orientation horizontale vers l'homme. Si vous ne l'avez pas encore reçu, je vous exhorte aujourd'hui de recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme Sauveur et Seigneur. Parce que c'est la seule façon de savoir bien compter ses jours. En marchant dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à la parole du Seigneur, c'est la seule voie par laquelle nous pouvons savoir compter nos jours. Que l'Éternel Yahweh vous bénisse. Amen. Amen. Betela Yesu maboko makasi. Merci beaucoup, Tokomi. Tout ce qui est vers la fin. Tiens, mitou na biso na se, to sengi na pasteur Christophe. Ayo sambe la pona liloba na nzambe. Pasteur Christophe ao bondela. Merci. Merci nkolo pona liloba na yo, pambola mosali na yo, liloba efanda kati na mitema na biso ebota pembuma na kombo na Yesu. Amen. Amen. Bon tozo le kana lombango pona kozwa mot de circonstance et pa ya revera Mokubwa, de circonstances. Maman qui nous a quittés, qui malgré nos douleurs, malgré nos chocs, nous allons essayer de nous maintenir. Mot de circonstance. C'est avec émotion et consternation que je me tiens par devant vous pour tenter d'ajuster les quelques mots en hommage de celle qu'on appelait affectueusement Maman Coco, Maman Bio, Nabio. Celle qui fut un motif de fierté et d'encouragement pour la grande famille et de la postérité de l'apôtre Aïdine Abal Alexandre, en abrégé A4. Une étoile s'est éteinte. Nos pensées se sont obscurcies
l'Église et corps de Christ en deuil. Dans sa cendre, pleurait une amie, une sœur, une servante de Dieu. Très chers frères et sœurs, à vos titres et qualités, à vous les membres de la grande famille A4 ici présents et ceux qui nous suivent à travers le monde, c'est avec un sentiment d'impuissance et d'insuffisance que j'ose adresser au nom de la grande famille les suprêmes adieux à cette pionnière de la foi qui continue à nous faire couler les larmes jusqu'ici. Une femme qui a daigné nous honorer de sa bienveillance inépuisable, de sa bonté légendaire, de son indulgence. La disparition de cette dame laisse un fossé béant derrière qu'on ne peut combler sitôt. Qui est Maman Sibazuri? Kana Makolette, dites Maman Coco. Ici d'une famille, d'une fratrie de 6 personnes, dont 4 garçons et 2 filles, mère de famille. Elle vient de laisser derrière elle 2 très jolies filles, dont l'une s'est mariée un mois seulement avant la disparition de sa maman. De nombreuses qualités seront toujours pour nous la lumière vivante qui ne cessera de nous rappeler de ta personne. Toi qui nous disais, je cite, « Matea oyo eza bio nabio ». Fin de citation. Cela témoigne de l'intérêt et de l'amour qui incarnait ta personne pour la cause de l'Évangile. Dieu a toujours raison dans ce qu'il dit. Il a toujours raison dans ce qu'il fait. C'est pourquoi il est dit. Heureux de ta présence, ceux qui meurent, ceux qui sont morts dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit qui se repose de leur labeur, car leurs œuvres les accompagnent. Merci, Maman Bana. Merci, la Dame de Fer. Merci, la femme à cœur d'or. Merci, mon colonel. Rendez-vous au grand banquet des noces de l'agneau. Merci et je vous remercie. Un peu trop choquant. Voilà, nous sommes arrivés presque... Pardon? Ok, nous allons passer par les dépôts de fleurs. Il y a des amis qui ont amené des fleurs ici. Ça ne dérange pas s'ils peuvent venir et passer avec leurs fleurs. Et après les dépôts de fleurs, nous allons prier pour... donc certainement c'est A4. C'est A4, donc c'est qui avait amené le fleur. On va déposer. Ici, je ne te lâcherai pas. Non, que maman kakanayo. Non, que souapi. Ah non, je suis... Baba wangu asikuzote, yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Baba wangu asikuzote, Yesu wangu asikuzote, yeye anajua maisha yangu. Ata usiku ata mchana, Yesu wangu wa siku zote, Yesu wangu wa siku zote, yeye anajua maisha yangu. Ata usiku ata mchana, Yesu wangu wa siku zote. Ata ningekuwa na babangu, ata ningekuwa na mamangu, ata nichunga sawa na Yesu. Yesu wangu wa siku zote. Ata ningekuwa na mke wangu, ata ningekuwa na mume wangu, ata nichunga sawa na Yesu. Yesu wangu wa siku zote. Non, l'imbaté, car je sais, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier et agira mon problème. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, il est abattu au-dedans de moi.
Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Olobi ozali mabele na mabele nde okosonga makomino nzambe ekokisani totiki kobima na biso nzambe kino place oza kokende kosongisa nzoto na mosala maboko na yo kimia na etambola na biso mpe kino na mitema mpe na mabota na nkombo na yesu kristo tobondeli boye amen. Non, l'imbaté, car je sais, mon rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier et agira à mon problème. Le moment difficile, je ne te lâcherai pas. Non, comme ma cacanayo, non, qui soit pi. Ah non, je suis. Nazangana nyonso, et kasiye souté. Baba wangu wa siku zote, ye anajua maisha yangu. Ata usiku ata mchana. Baba wangu wa siku zote, Yesu wangu wa siku zote, yeye anajua maisha yangu, ata usiku ata mchana. Yesu wangu wa siku zote, Yesu wangu wa siku zote, yeye anajua maisha yangu. Ata usiku ata mchana, Yesu wangu wa siku zote. Ata ningekuwa na babangu, ata ningekuwa na mamangu, ata nichunga sawa na Yesu. Yesu wangu wa siku zote. Ata ningekuwa na mke wangu, ata ningekuwa na mume wangu, ata nichunga sawa na Yesu. Yesu wangu wa siku zote. Oh ya 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 ya.
Non, l'embatté, car je sais, mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Merci beaucoup, bien-aimés, vous qui nous suivez de par le monde. Nous venons d'arriver à peine au cimetière de Mingadi. Désormais, c'est ici que va reposer le corps de notre sœur bien-aimée, maman Bio, Nabio, maman Coco, qui de temps en temps, à chaque fois qu'on aura l'occasion, on viendra justement visiter la tombe. Voilà les caveaux, voilà les travaux, comment ça se passe ici. Et donc nous sommes là, nous attendons juste les quelques minutes pour le début de dernière cérémonie, justement de la mise en terre. Nous vous remercions, nous remercions vivement votre attention de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Je crois que vous êtes en train de nous suivre jusqu'à la fin de ces obsèques. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes ensemble, c'est ça aussi la famille et c'est ça aussi les A4. Que le Seigneur nous bénisse. On est ensemble. Merci. Bandeko balingami, awa tozali na cimetière Nouvelle Cité na Mingadi. Esika toye kotika nzoto ya ndeko na biso moei mama koko oyo autaki kotika biso brusquement. Bomoni esika désormais akofanda awa kino kozela koya na Yesu oyo Bible ezali koloba na biso na 1 Thessaloniciens 4:13 ete tozala na komitungisa te mpo na bao bazali kokufa katikati na Yesu tango Yesu akoya bakosekwa pe bakoyeba komata na mapata mpo na kokutana na mobali ya libala esika oyo nde tokotika ye tango moke bokolanda ceremonie. Merci, Nzambe apambola bino. Na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Hapa ni cimetière Nouvelle Cité Mingadi, ni inje ya Kinshasa, ni inje ya vile ya Kinshasa, njia ya kwenda Matadi. Ni mara yangu ya kwanza kufika huku. Kama ingelikuwa kifo ya mama Koko, nitakuja huku kufanya nini? Nakuja hapa kwa ajili ya kusindikiza mama Koko, mupendwa, dada, ndugu. Ndiyo kitu tunafika hapa, tunakuja kumwacha katika nyumba yake ya mwisho. Unajitambulisha wewe ni nani? Mimi ni Pastor Ngoi, Ngoi ya Kabale. Nilikuwa na mama Koko, Kabinda, nazani Kabinda. Nilikuwa na mama Koko Kindu, nilikuwa na mama Koko Bukavu, Goma, Kinshasa. Vile alikuwa koloneli ya polisi alitembea sana. Na kila fasi alifika, alijitambulisha ndani ya kanisa na akaanza kutumikia Mungu. Na watoto wake pia wanatumikia Mungu. Na shukuru. Kangana kangama na yuni Erika nanga Makasi nanga Yesu elonga Sema vilo kota seyo Fatine lala lakate Yesu Makasi abaye vale na yuni. Peu importe le temps que je traverse, peu importe le moment difficile, je ne te lâcherai pas. Non, comme ma kakanayo, non, qui soit pi. Ah non, je suis. Nazangananganyosu, et kasiye soute. Baba wangu asiku zote, ye anajua maisha yangu. Ata usiku ata mchana Baba wangu wa siku zote Yesu wangu wa siku zote
yeye anajua maisha yangu hata usiku hata mchana. Yesu wangu wa siku zote, Yesu wangu wa siku zote, yeye anajua maisha yangu hata usiku hata mchana. Yesu wangu wa siku zote. Hata ningekuwa na babangu, hata ningekuwa na mamangu, hata nichunga sawa na Yesu. Yesu wangu wa siku zote. C'est-à-dire zo koma nanu Yesu ayete maiwe komelio. Moni to sito sale loko na bamatanga ebele batu musu bayoka somo. Tolingi to interpele mutu moko. Logai matea metoliki to interpeller ndeko moko ndenge biso to zalia wa ta onso to kansaka ngote to kansaka ngote peut-être na ba mabota na biso me na liki to kanisa. Est-ce que to ba amen ngi mutu nyo swa simba ndeko na loboko simba na loboko to simba na loboko simba e ngam na sengi yo simba e alo transmettre message oyo na zo lobe pa mutu nyo so yebisa e loba ndeko okukufa yebisa e ndengwa siko ndeko moko azotali na eza nzela na biso nyoso. Lelo eza kolela te tozo linga to yemba. Mama koko alinga ko yemba tozo yemba. Ti bandeko bakitsa ko to kitsa ina nzembo. Nakimia nakimia. Voilà. Eh Yahweh o kumama. Eh Yahweh. Eh Yahweh o kumama na yo eh. Yemba bien le quoi mutazo mila nzambe. Yesu alinga kato kumisa ye. Yesu alinga Yesu akunga ka. Oh yembela ye. Yesu alinga kato kumisa ye. Alleluia. Oh alleluia. Le mot, au chien.
Na komina kchasa esika nini libote za iko sangana pona ko sangana butu pona kozila kino mokola lelo. Alors lokola eza mokano na nzambe pe mosali na nzambe to pesi malobe pa ya pasteur mukubwa pona osala clôture ya prière pe kokuna mama na biso lolenge na bonzambe. C'est ici la fin du discours. On a des choses à dire. On peut beau crier, on peut beau pleurer, on peut même se rouler au sol. Elle est dans le repos éternel, celle-là. Et alors, sans plus tarder, nous allons prier. Parce que nous devons, comme on est en train de retourner la terre dans la terre, nous allons tout simplement élever les noms de ce grand Dieu qui a permis à sa servante de nous laisser ce jour. Nous prions le Seigneur. L'immortel invisible, d'éternité en éternité, tu es Dieu, Dieu tu le resteras. Yahweh Dieu Tout-Puissant, par cet événement, Seigneur, tu es en train de nous interpeller. Demain, après-demain, c'est moi ou quelqu'un d'autre. Yahweh notre Père, merci pour cet enseignement. Combien riche que t'écris, tu es la terre. La terre, tu retourneras. Nous sommes en train de clôturer, de conclure, Seigneur, ces obsèques que nous avons commencé depuis plus de 2 semaines. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre le point final. Yahweh notre Père, nous bénissons les bien-aimés qui se sont sacrifiés, de loin ou de près, qui nous ont assistés d'une manière ou d'une autre pour arriver à cet aboutissement. Seigneur notre Dieu, c'est toi le vrai rémunérateur. Pense à cela. Pense à ces mamans. Pense à cette famille qui, du début à la fin, était toujours à nos côtés pour nous encourager, nous pousser à aller toujours de l'avant jusqu'à la fin de cette cérémonie. Maintenant que nous sommes en train de remettre la terre, bientôt nous allons rentrer à la maison. Tu vas prédisposer, Seigneur notre Dieu, le transport pour que la mort ou le danger ne puisse pas, Seigneur, nous surprendre en chemin. Nous ne voulons pas entendre les accidents. De la même manière qu'on est arrivé, qu'on retourne en paix. Merci à notre Père, toi qui contrôles, le Dieu du commencement, tu es le Dieu de la fin. Merci pour tout. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Merci. Et voilà. Quand mon âme se souvient, il est abattu au-dedans de moi.
Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles sont renouvelées chaque matin. Que ta fidélité est grande. Jésus-Christ, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Bandeko, alléluia. Amen. Nani Mokonzi. Voilà, nous nous tenons ici, c'est juste pour vous dire merci. Nous venons sincèrement vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci parce que vous vous êtes sacrifié pour une cause, la cause qui n'est pas la, n'importe laquelle, mais une cause noble. Vous avez tout abandonné, vous avez accepté de pleurer avec nous pendant tout ce temps, et aujourd'hui, nous venons de laisser notre sœur, notre maman, notre ami. Maintenant là, nous sommes en train de nous dire un mot de remerciement. C'est tout simplement une manière de présenter... Dire merci, c'est encore, ce n'est pas le mot qui convient, parce qu'avec tout ce que vous avez fait, c'est plus que le petit mot, l'expression de dire merci. Mais parce que je n'ai pas d'autres mots à utiliser, je suis obligé de passer par là pour vous dire merci à haute voix pour tout ce que vous avez fait pour la famille. Cela étant, nous sommes en train de terminer notre day aujourd'hui, comme c'est le cas. Désormais, nous allons rentrer chacun dans sa maison et reprendre les activités comme d'habitude. Maman est partie, mais maman n'est pas partie parce que derrière elle, nous avons les enfants qui sont là. Et donc, le deuil n'est pas fini en soi parce que les enfants sont là. Vous avez un petit temps libre. Pensez à ces enfants-là. Allez voir Babette. Passez voir Tatiana. Ça sera vrai utile et ça sera aussi la bénédiction parce que c'est cela aussi. Merci. Il y a plus d'œil. Nous sommes en train de lever ce deuil ici maintenant même. Vous avez une petite bouteille d'eau. Prenez avec amour dans la joie. Immédiatement après, il y a un cocktail qui est en train de circuler. Et parce que c'est à la fin, nous sommes pratiquement à la fin. Aussitôt que vous vous sentez un peu dégagé, vous pouvez disposer et personne ne peut vous condamner. Encore une fois, nous vous disons merci pour tout ce que vous avez fait. Que le Seigneur nous bénisse. On est ensemble. Merci beaucoup. Sans pain, sans pain.